Alors, règle du week-end. Il y a la plus importante, on se frappe pas, on s'insulte pas. S'il y a des problèmes, vous venez nous voir et on essaie d'intervenir. Ne renchérissez pas sur ce qu'on vous fait ou ce qu'on vous dit. À Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, les scouts avaient disparu. Mais depuis 2 ans, on assiste à leur renaissance. Comme toutes les 3 semaines, les bleus, des jeunes de 8 à 11 ans, se retrouvent dans la salle paroissiale. Amenez-moi une demi-cuillère, s'il vous plaît. Bon appétit tout le monde. Pendant 24 heures, ils vont vivre ensemble et partager des activités qui les sortent du quotidien. En fait, c'est dans les jeux qu'on fait, la convivialité avec les amis ou des gens. On s'amuse bien, on rigole, on apprend de nouvelles choses. Ça fait du bien de sortir un peu de la maison, enfin, pour ne pas être étouffé et s'épanouir un peu. Vous êtes 3 contre 2, 2 contre 3. Le but... La découverte des autres passe par le jeu. Et le jeu, c'est aussi l'apprentissage des règles. On leur apporte un cadre avec des règles, une certaine structure. Pas de violence, que ce soit physique ou verbale, je pense que c'est la plus importante et c'est la plus difficile à faire respecter. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence. La limite entre le jeu et pas le jeu, c'est difficile à faire. Oui, c'est dû à... Maintenant, on arrive à leur faire faire leur vaisselle, ce qui avant était impensable. C'était une lutte sans fin pour qu'ils fassent leur vaisselle. Ils rangent leur sac. Ça se fait assez vite. Ils montent les tentes. Maintenant, ça se fait assez vite. Avant, ça prenait une après-midi entière pour monter des tentes. L'objectif de tout ça, c'est de les rendre autonomes. À la fin, ils savent faire tout seul et ils peuvent transmettre aux autres. Autonomes, ils dorment sur place. Mais comme c'est l'hiver, exceptionnellement, ils campent à l'intérieur. Le lendemain, ils sont rejoints par d'autres scouts de la Courneuve et de Saint-Denis. Autour de la table, des enfants de 8 à 17 ans, issus de toutes confessions, catholiques, protestants, musulmans ou athées, réunis à l'occasion d'un temps spirituel, une alternative pendant que certains sont à la messe. C'est un petit peu un temps philosophique. On travaille sur le partage, l'exclusion, la tolérance, la liberté d'expression, le fait de se connaître soi-même, l'empathie, connaître les autres. C'est des valeurs de vivre ensemble. Pour moi, c'est des valeurs humaines. C'est quelque chose qui fait partie de l'éducation, et particulièrement de l'éducation à la citoyenneté. Je t'avais demandé pourquoi c'est important que tout le monde soit là, qu'on soit croyant, pas croyant, chrétien, musulman. Pourquoi c'est important que tout le monde soit ensemble? C'est pour bien vivre ensemble. Parce que quand on va dehors, c'est pareil, c'est mixte. Il y a de tout, il y a des croyants, des gens qui ne sont pas croyants, des musulmans. On peut être raciste. Ça renforce, comme ça... Comme ça, dans le monde, il n'y aura pas de problème. Dans cette banlieue, les jeunes étaient 6 quand le scoutisme a redémarré il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont 40. Preuve que le vivre ensemble est encore possible quand on s'en donne la peine.